Oui, Jess. Salut Dorian, c'est la saison des agrumes, dit. Il faut absolument que tu viennes chercher les fruits, là, ils sont exceptionnels. Tu veux que je passe quand? Rendez-vous jeudi au potager de la Tour Odéon. Ok. Ok, merci, à bientôt. Salut Dorian. Salut Jess. Ça va? Ah oui, et toi? T'es en forme? Bah ouais, hein. Ah, il se mérite ton potager. Eh oui, bah écoute, hein, c'est le verger de la Tour Odéon. Hein. Je t'en magnifique, prie, regarde un peu tous nos agrumes. Avec on une a... vue comme ça en plus, là. Eh, t'as vu, hein, ils ont de la chance, ces agrumes. Hein. On a quelques oranges amères, on a des oranges douces, on a aussi un peu quelques pamplemousses. Ouais. Et puis sûrement un agrume qui va beaucoup t'intéresser, le citron. Ah bah oui, ça, c'est, je travaille ça à la pâtisserie. Alors, on y va? Allez, on y va, c'est parti. Je vais essayer de te montrer quelque chose d'un peu particulier. Oui. Alors, la chose particulière, c'est la greffe. Mais avant, il faut quand même que tu t'équipes un petit peu. Alors, le fameux tablier. Magnifique. Et en même temps, je vais te montrer cette fameuse greffe. Ici, qu'est-ce que tu remarques? Je remarque qu'il y a aussi des oranges sur le citronnier. Exactement. Ici, on a un citronnier qui a bien au moins 15 ans. Et on a fait une greffe qui doit avoir environ 7 ans. Tu vois le début de la greffe ici. Ouais. Et hop, on arrive avec une greffe d'orange douce. Alors, on peut greffer quasiment tous les agrumes ensemble. Ouais. Donc, des fois, on a un tronc avec une orange amère, par exemple. C'est souvent ce qui se fait. Et puis après, tu as des greffes d'orange douce. Super. Alors, qu'est-ce que tu en penses? On va voir le citron? Allez, on y va. Voici notre fameux citronnier. Alors. Il y a quelques étapes à faire qui sont importantes de faire dans l'ordre. En premier, on va tout récolter les agrumes. D'accord. Ensuite, on va procéder à la taille. Et puis, on va faire quelques petits traitements parce que je vois des petites choses qui m'embêtent. Donc, on va faire des petits traitements naturels. Regarde, par exemple, pour récolter, c'est très facile. Il suffit simplement de tirer quand le fruit est mûr, ça vient donc, naturellement. Tout seul, d'accord. Bon, après, pour le dessert qu'on va faire tout ouais, à l'heure, dis-moi. Le mieux, c'est de garder aussi la petite tige avec une feuille. Tu as besoin d'une feuille? Voilà, comme ça, on a la décoration du dessert directement prélevée sur le citron. Très bien, mais trouve-moi-en un qui te plaît alors. Celui-là, il est pas mal. Regarde. Tac, alors, on peut le couper au-dessus ici. Moi. Là, voilà, okay. Ici. On est bien là? On est parfait. Chaque année, le citronnier va grandir, d'accord? D'accord. En plus, on a quelques feuilles qui sont déjà un petit peu atteintes de la cochenille. Ah oui, là, tu vois, la cochenille, c'est ces petites taches blanches d'accord. que tu trouves derrière les feuilles. Donc, celles-là, déjà, on sait qu'on va les enlever. Le principe de la taille, c'est un peu de fortifier aussi le fruitier. Et on va faire toujours une taille au-dessus d'un nœud. D'accord. Par exemple, ici, tu as un nœud. Là aussi, tu as des nœuds, tu vois, ces petits trucs-là, ce sont des nœuds. Au-dessus. Et on coupe toujours au-dessus d'un nœud extérieur. D'accord. Parce que c'est pour faire en sorte que la prochaine branche, elle parte de l'extérieur et puis du coup, ça va aérer notre citronnier. C'est aussi très important la coupe en biais, ça c'est un principe général des fruitiers. Parce que en fait, quand tu coupes en biais, ça évite que s'il pleut, l'eau elle stagne sur le petit tronc que tu as coupé. D'accord. Et qu'elle fasse ensuite peut-être des champignons, ce genre des choses. Maladies. L'eau elle va, s'il pleut, l'eau elle va facilement glisser. Ouais. D'accord. Allez, je continue. Hop. Alors, on va passer à un traitement naturel. Ici, moi, j'ai du purin d'ortie, ça va être très très bien contre les cochenilles. Et toi, tu as du savon noir, c'est aussi efficace pour les cochenilles. Parfois, tu trouveras aussi sur ton citronnier quelques pucerons. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien. Il faut mettre des coccinelles, ou bien en tout cas, il faut essayer de faire en sorte qu'elles viennent vers ton citronnier, puisque les coccinelles adorent les pucerons. Ça défend. Absolument, ça les d'accord. mange en fait. Bon, moi j'ai faim. Hein. Ah oui? Ouais, je pense qu'un petit peu de sucre, ça me ferait du bien. Bon. Bon, on est pas mal là, bah, non? Allez, hein, je vais t'aider. Et tu ouais. vas me suivre, on est en pâtisserie? Merci. Allez, ouais. on y allez, va. Je te suis. Et c'était une évidence pour toi de devenir pâtissier?
Bah, moi je suis tennis. J'étais tennis. Non, tu sais que moi j'étais tennisman aussi, tenniswoman, hein, évidemment. Ah, ouais, mais j'étais dans les espoirs suisses de tennis, troisième suisse. Ouais. Deuxième français. Arrête, c'est pas vrai. Ouais, quand j'avais 13, 14 ans. Non, bah ouais, mais moi j'étais aussi dans cet âge-là, jusqu'à 17, 18 ans j'ai fait. Ah, et après j'ai arrêté. On va faire un tennis ensemble. Si mais c'est clair, on va parier des citrons. On va dealer des citrons. Allez. J'ai un père qui est pâtissier, donc qui a une pâtisserie à Antibes et à Jean-les-Pins. D'accord. Donc j'ai fait ma formation avec lui donc pendant 2-3 ans. Et après, je suis rentré dans le groupe de M. Alain Ducasse. Et direct. Directement. J'ai fait mon apprentissage avec mon père. Donc c'est là où tu apprends toutes les bases des pâtes, tout l'essentiel de la pâtisserie. Quoi. Ouais. Tu t'es spécialisé un peu dans l'agrume comme ça. C'est venu naturellement. Honnêtement, c'est M. Ducasse qui nous dirige vachement sur les agrumes. Oui. Travailler les agrumes là, parce que c'est pas trop sucré, il aime pas trop le sucre. Bon, le citron confit, il est sucré, mais au final, on sent pas le sucre parce qu'il y a l'acidité du citron. C'est frais, c'est moelleux, c'est magnifique quoi. Hop là! Tu as du monde reste avec le tennis dit. Mais oui. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon alors là on est dans donc, c'est le restaurant Homer, d'accord, dans l'hôtel de Paris. Oui. Et on va faire le citron givré confit. Tu as mis un gant? On va mettre des gants parce que c'est un peu acide. D'accord. Ça peut rentrer entre les doigts, donc c'est pour se protéger. Okay. D'accord. Je vais mettre alors. Les gants. Une fois que tu as mis tes gants, donc les citrons, on les a fait blanchir, d'accord? Oui. Trois fois. Oui. Donc maintenant on peut les prendre comme ceci. D'accord. Donc tu vois que la peau, tu peux toucher. Tu fais avec la feuille, donc tu fais blanchir tout. Je garde la feuille, comme ça c'est la décoration, comme on a coupé dans le verger. Alors, on coupe le chapeau. Magnifique. Donc tu scies bien, essaie de rester bien droit. Trois. Pas que ça soit... Voilà, tu scies. Voilà. On va scier les extrémités pour que l'intérieur se décroche. Hop, je vide. Voilà. Et on vide l'intérieur et on tourne avec les doigts. On tourne et on essaie d'enlever le plus possible l'intérieur. Génial. Okay. Après, pour les confire, donc on va faire un sirop, eau, sucre. Oui. Donc on met 1 litre d'eau pour 100 grammes de sucre. D'accord. Il y en a qui mettent plus, il y en a qui mettent moins. Mm-hmm. Mais le mieux, c'est pour se baser sur 1 litre d'eau, 100 grammes de sucre. D'accord. Okay. Donc pour faire le sirop, on va faire... Donc, le sucre, est-ce que c'est un sucre blanc? C'est du sucre grain blanc. Non, sucre blanc. Blanc. Sucre blanc, classique. Classique, ouais. Donc on va apporter ça à ébullition. Après, on les coupe, on arrête et on laisse une nuit. Une nuit. Voilà, on comme va laisser une nuit trempée. La peau du citron elle va absorber, si tu veux, le sucre. Mais doucement, sans les brusquer. Il ne faut pas faire bouillir pendant 5 minutes avec le citron à l'intérieur. D'accord. Parce que sinon, les citrons, après, ils vont se casser, s'écarter, tout ça. Ouais. Le lendemain, on rajoute encore 100 grammes de sucre. Pour d'accord. 1 litre d'eau, on reste sur 1 litre d'eau. On rajoute 100 grammes. Il faut être patient dans ta recette, alors. Il faut être patient, on fait la préparation en avance. Ouais, je vois ça. Moi, je ne suis pas sûre que j'arriverai à tenir. Hein. Ah, mais si, mais ça, c'est rapide, on met 100 grammes de sucre en fait le lendemain. Ouais. On reporte l'ébullition. Très bien. On coupe directement. Ouais. On laisse encore reposer une nuit. Le troisième encore jour, une nuit. On remet. C'est terrible, encore c'est une semaine en fait pour la c'est 3 jours. 3 jours pour contenir le citron. Ah, ça, c'est et après, un peu ça dépend la peau. C'est un peu comme le verger, ça se mérite, c'est ça. Donc là, maintenant, une fois qu'on a le citron qui est creusé, on va faire le sorbet au sucre. D'accord. On le fait refroidir. Ouais. Et à froid, on met le jus de citron, d'accord. Très bien. On mélange, après on fait prendre au froid. Et on va mettre un peu de zeste de citron. On va mixer et après comme ça, on pourra pocher la texture du sorbet, si tu veux. Oui. Elle sera pochable. On l'a préparé, on l'a mis dans une poche. Oui. D'accord, donc là, c'est le sorbet citron. Ouais. Je te laisse, tu vas pocher directement à l'intérieur du citron. Bah tu vois, moi, j'ai jamais fait ça non plus. Alors doucement, t'appuies. C'est bon? Voilà, vas-y, continue. On y va, on appuie. Encore. Et là, tu peux tourner après en rond. Faire une petite déco. Voilà. C'est ça? Encore un peu, vas-y. Top. Voilà. On remet à l'envers, faut pas que ça tombe. Je te récupère. Je vais pas dire à quoi je pense, mais c'est bien. Là. C'est bien là, non? Ça, c'est pas mal. Et pas après, mal. Tu vas le rendre encore plus joli en disposant le chapeau. Comme ça? Voilà, tu essaies de remettre un peu droit. Hop. Et voilà. Fini? Fini. Ok, génial. Citron, c'est frais. Donc on coupe au couteau, on mange la peau du citron, on a le frais du sorbet, et sinon, ça donne ça. Génial, fabuleux. Ok. C'est très beau. Ça prend un petit peu de temps, ça mais prend du ça temps, vaut la peine. Mais ça vaut la peine. Je pense que franchement, là,
On va se régaler. Après, on peut le décliner aussi avec d'autres agrumes. Donc l'orange, pareil, donc, on le confit trois fois, on fait un sorbet à l'orange, on garnit à la poche à douille, comme tu as fait. Oui. Avec le petit chapeau. Une idée pour le prochain épisode, peut-être. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup. C'était merci super. À toi. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.